Batman sur Gumsy Blues. Now with Batman, the serial. And nothing can slow him down. Nothing can stop him from bringing it to you. It's here. A smashing taste. A honey nut flavored part of your complete breakfast. Batman, serial. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est une petite review concernant un buste tirelire de Michael Keaton, donc de Batman 1989. Alors en fait, c'est un buste qui était offert dans un paquet de céréales de la marque Ralston. Donc je sais pas si cette marque-là venait de sortir pour le film, mais en tout cas, on peut voir que sur la boîte, c'était marqué « Nouveau ». Donc à voir. Donc c'est bien sorti en 1989. Donc voilà, au niveau du buste, c'est plutôt sympa. Donc en fait, derrière, c'était pas un papier où tu mettais ton nom pour dire à qui est-ce qu'elle appartenait. C'est tout simplement parce que tu pouvais recevoir... ici, en fait, on peut voir, c'est un espèce de petit truc que tu mets dans une prise électrique. Et en fait, c'est l'emblème de Batman qui s'allume. Donc en fait, tu mettais ton nom, ton prénom et t'envoyais 3$. Et puis tu pouvais recevoir ça pour mettre dans ta prise, quoi. Puis moi, personnellement, je l'ai jamais vu, ce truc-là, que tu mets dans ta prise. Donc ça pourrait être assez sympa de voir ça, quoi. Si je le trouve, là, je vais le mettre en photo juste là. Si je le trouve pas, bah, y a rien. Et puis bah voilà, quoi. En fait, tout simplement, pas grand-chose d'autre à dire dessus. Elle est en plastique. Ici, en fait, tu pouvais récupérer ton argent juste en retirant ce petit loquet-là. Un petit capuchon, pardon. Et puis voilà, quoi. Donc elle est plutôt cool. Et en fait, ça, c'est des stickers pour le visage. Je sais pas vous, on dirait un petit raton laveur, quoi, avec les yeux comme ça, là. C'est vraiment, c'est vraiment marrant, quoi. Enfin, bref. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur cette petite tirelire. Au niveau du prix, on peut la choper la choper à 30-40$ sur eBay, peut-être même un peu moins cher. Moi perso, je trouve que ça fait cher de mettre 30$ là-dedans. Moi pour ma part, je l'ai payé 10$ parce que j'avais pas la boîte de céréales. Donc faut savoir qu'en général, quand tu la trouves à 30$, elle est avec les céréales sur eBay. Donc moi je l'ai payé 10, puis elle est quand même en bon état. Donc voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, pour info, les vidéos concernant les rénos vont pas tarder à reprendre parce que, tout simplement, comme vous pouvez le voir juste derrière, on a reçu notre îlot, on a reçu la cuisine. Il manque juste les portes des armoires, mais la cuisine est finie à 95%. Donc, je suis vraiment content. Donc, voilà. Donc, attendez-vous à voir des vidéos des rénos, surtout que le garage va commencer à partir de dimanche prochain. Je suis plutôt content, j'ai vraiment hâte. Donc voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à bientôt, salut !